Nous, on écoutait Marley, on écoutait Steel Pulse, on écoutait Lyndon Quincy Johnson, tous ces gens-là. Ils utilisaient la musique comme un vecteur d'expression pour dire des choses sérieuses. Nous, c'est ce reggae-là qui nous a accrochés. Et c'est un trait du reggae auquel on a tenu à rester fidèle. On n'allait pas exprimer la même réalité, on n'est pas né à Kingston ou à Birmingham, on est de Grenoble. Mais le côté social, le côté engagé de cette musique, oui, c'est une des choses qui nous a touchés.